La rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac provoque une situation inédite avec laquelle les services d'urgence vont devoir composer durant des semaines. La question d'établir très vite un commandement unifié afin de ne pas perdre le contrôle et de déployer les secours pour les milliers de sinistrés émerge dès le lendemain. La solution vient de deux membres du service de sécurité incendie de Boisbriand, dont l'un a vécu la catastrophe de la veille. Le chef de division, Dave Alley, a eu une nuit éprouvante, mais l'heure n'est pas au repos. Lui-même un martelacois, il voit ses concitoyens durement éprouvés. Accompagné du directeur adjoint du service de sécurité incendie de Boisbriand, Éric Galarneau, il rencontre Norbert Vendette, le directeur du service de sécurité incendie intermunicipal de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les deux hommes lui proposent d'établir un poste de commandement unifié pour coordonner l'ensemble des secours aux citoyens. Ce moyen existe en théorie, mais il n'a jamais été mis en œuvre lors d'un sinistre de cette ampleur. Le poste demeurera opérationnel durant 26 jours, permettant de gérer de manière ininterrompue jusqu'à 2 400 intervenants de services d'urgence et 30 services de sécurité incendie. Sainte-Marthe-sur-le-Lac devient une nouvelle ville fourmillant de milliers d'intervenants et de sinistrés à épauler. C'est un événement sans précédent au Québec et il faut une organisation proactive qui réponde au quart de tour. Pour résoudre les problèmes de salubrité et d'eau contaminée, ainsi que la présence de produits dangereux, une procédure de décontamination et une carte d'identification des risques sont créées pour informer les intervenants du secteur. Messieurs Alley et Galarneau doivent résoudre des problèmes multiples, entre autres arrimer les divers protocoles d'intervention et remédier au manque d'interopérabilité des systèmes de communication. Même les équipements diffèrent, alors qu'il faut gérer 100 pompiers de services de sécurité incendie différents chaque jour. Tout cela alors que les citoyens sont en détresse psychologique, qu'il faut sécuriser les résidences avant de les accompagner pour constater l'état des lieux et récupérer certains biens essentiels. Rien n'est simple. Le commandement établit 3 zones d'intervention pour mieux séparer les équipes et les besoins en équipement. La coordination doit aussi assurer la cohésion de multiples corps de métier. Des électriciens, des évaluateurs en sinistre, des travailleurs sociaux et des intervenants de la Croix-Rouge, des policiers de la Sûreté du Québec, des policiers municipaux, des employés du ministère de la Sécurité publique, des ingénieurs d'Hydro-Québec et des soldats de l'armée canadienne. C'est un quartier général grouillant où chacun participe à la bataille pour amener un peu de sécurité au cœur de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Messieurs Alley et Galarneau vont, avec l'appui de leur directeur Claude Prévost, déployer des moyens importants et mettre à contribution tout le service de sécurité incendie de Boisbriand, 44 pompiers, 4 officiers et 4 membres de l'état-major, dans un épuisant marathon de 26 jours. Parmi ces valeureux pompiers, le directeur adjoint Éric Galarneau reçoit la médaille pour acte méritoire et le chef de division, Dave Alley, est décoré une seconde fois de cet honneur.